Alors ça y est, hein, les fans de Verstappen qui n'en peuvent plus dans les commentaires, certains démentent même qu'il n'a pas bénéficié de l'aspiration d'Hülkenberg. Or, même Marco le dit, qu'il a gagné 2 dixièmes grâce à ça, donc plusieurs places au final. C'était inattendu, une grande amélioration également en termes de réglage, mais il a décroché la pole dans le secteur 1. Nous devrions remercier Nico Hülkenberg, il a donné un couloir à Max Verstappen, il a rattrapé 2 dixièmes sur Piastri, puis seulement 7 centièmes dans le dernier secteur. Donc voilà, Marco l'avoue, c'est grâce à Hülkenberg que Verstappen a eu la pole. Putain, fait chier Hülkenberg là. Alors, il parle de Pérez aussi, c'était un peu malheureux. Au début, il roulait avec des pneus usagés, puis avec des pneus neufs, et ensuite il était surpris par l'adhérence qu'il avait. Je pense qu'il a perdu 3 dixièmes au virage 7, c'était pas suffisant, donc peloton serré. Les dépassements sont difficiles aujourd'hui, mais Max est à l'avant. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Donc là, concrètement, si t'enlèves l'aspiration donnée par Hülkenberg, bah Verstappen, soit il est quatrième, soit il est derrière les deux McLaren, mais bon. Au final, il est au mieux troisième, quoi. Et au pire quatrième. Donc voilà, eh ben, les pro Max reconnaissaient que bah, du coup, la pole, il ne la méritait pas trop, hein, au final. Il peut remercier Hülkenberg, hein. On verra ce que ça donne en course.